Sans l'Esprit du Seigneur, nous ne pourrons absolument rien faire. Merci Père de ta présence, merci pour tout ce que tu fais au travers de tes enfants. La femme dans la sainteté prend une tournure différente de tous les autres formats connus jusqu'ici à cause des différentes altercations que nous avons avec les puissances des ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous soutenir. La femme dans la sainteté, c'est la plateforme qui réunit les saintes femmes désireuses participer à l'enlèvement et manifester la gloire de Dieu sur la terre en vivant de façon différente de toutes les autres femmes qui vivent dans la sainteté. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les tenir maintenant. Mais quand l'Esprit de Dieu sera là, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, il vous conduira dans toute la vérité, disait le Seigneur Jésus-Christ, au sorti de sa vie et de sa mission terrestre, alors qu'il était tenu sur cette montée avec ses disciples. Il lui a donné la nécessité, justement, il a implémenté dans leur cœur la nécessité de la visitation du Saint-Esprit pour pouvoir faire les œuvres du Seigneur, car ce sont des œuvres de combat. De combats spirituels auxquels se participent les puissants des ténèbres. C'est pour cela que nous l'appelons encore ce soir pour lui dire merci Seigneur et que son esprit vient et nous couvre. Quelle soirée. Viens. Saint-Esprit, viens.
La sœur Rosalie, rebonsoir. Bonsoir à toutes les femmes, bonsoir à vous toutes qui viennent de vous connecter. Bonsoir et merci pour tous ceux dont-là qui, d'une façon ou d'une autre, fléchissent les genoux devant le Seigneur par rapport à tout ce qui s'est passé de ce côté-ci, par rapport à toutes ces attaques que nous sommes en train de recevoir depuis le début de la soirée pour en découdre avec ces esprits-ci. La sœur Rosalie, bonsoir. Bonsoir mon bien-aimé, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tu ressens aussi le même combat, n'est-ce pas? Oh, c'est vraiment une présence, vraiment, c'est pas possible. Mais le Seigneur est au contrôle. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, d'accord? Amen, amen mon frère. La sœur Marie France-Sophie de 97 Boulevard d'Avoue, bonsoir. Bonsoir frère Junior. Comment bonsoir tu mes soeurs. Comment tu vas? Ça va, par la grâce du Seigneur. Vous voyez que ce n'est pas moi seul qui subit les fougues de l'ennemi. Vous également, je crois que beaucoup d'entre vous, vous êtes déconnectés subitement sans vous en rendre compte, sans savoir pourquoi vous êtes déconnectés. Et pour connecter, c'est un autre paire de manches, n'est-ce pas? On doit se poser la question, effectivement, pourquoi seulement aujourd'hui? On n'a jamais expérimenté de telles choses, pas vrai? Alors, ce qui est bien, c'est que Satan a perdu la bataille. Amen. Quelle soirée. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme. À l'issue de ceci, les ventres qui étaient fermés, qui n'enfantaient pas dans vos familles et pour vous-même, pour d'autres, vont recevoir des enfants. À l'issue de ceci, des portes qui étaient fermées dans des familles et dans votre propre vie seront ouvertes. À l'issue de ceci, beaucoup Amen. De visitations de la part du Seigneur à l'issue de cette prière. La mesure le poids de la persécution ou mieux encore de l'attaque est proportionnelle à ce que le Seigneur les déploie pour traiter dans chacune des vies. En tout cas, vous saurez effectivement que quelque chose s'est passé ce soir-ci. Voilà. Dans la deuxième partie, avant que nous ayons reçu cette attaque, nous étions en train de jouer le témoignage d'un frère qui a subi la même chose. Et j'aimerais bien, je ne sais pas si vous le voulez bien, à moins que peut-être il s'est fait tard, je ne sais pas si serait bien de prendre encore ce témoignage, si vous le voulez bien, ça à votre guise maintenant, ou bien on continue directement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouf. On continue, ok. Oui, là c'est Suzy Mafogo, je ne sais pas moi trop. Mafogo. La sœur Suzy Mafogo. Tu es connecté? Je suis là, mon frère. Et mon frère, je suis là. Dans la deuxième partie, j'ai entendu dire à ton sujet que après avoir parlé, tu auras des attaques. Mais prends courage, d'accord? Quand tu auras des attaques, quand ces attaques vont venir, écris dans ce forum pour que les sœurs prient pour toi. Parce que tu fais partie dans ta famille de l'une des personnes qui portent la lumière et donc les ténèbres veulent essayer de faire tout et tout pour étouffer cela. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Amen. Oui, mon frère, je suis prête. Allons-y, parle. Tu as la parole. Et je vais t'interrompre chaque fois si tu essaies d'orienter autrement. Je ne sais pas. Toi et moi, est-ce qu'on a déjà causé au moins une fois? Non, mon frère, c'est la première fois. Ok. Donc, au fur et à mesure, si tu parles en déclinant, si tu esquives, je vais devoir te remettre sur les rails, d'accord? Jusqu'à ce qu'on dénonce ce qu'il en est. Voilà, allons-y. Vas-y, tu as la parole. Oui, mon frère. Mon histoire est tellement longue et grande. Donc j'espère que vous avez vraiment du temps pour m'écouter. Je veux qu'on regarde l'aspect de façon spécifique de cette destruction. C'est un serpent qui a créé la destruction et la dislocation dans la famille. Et ici, principalement, il y a la limitation. Vous savez, la limitation. Il y a un degré qu'on ne peut pas atteindre dans votre famille. C'est vrai. Allons dans ce couloir. On va revenir. On va revenir dans un autre couloir. Si ton c'est ta saison, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Non seulement toi, tu seras libre, mais toute ta famille, toute sans exception. D'accord? Alléluia. Au roi des rois. Toute ta famille. Alléluia. Toute ta famille. Alléluia. Et pour cette famille, tu as pleuré, tu as posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le moment est arrivé. D'accord? Donc restons dans ce couloir là de cette limitation. Dis-nous ce qui se passe dans la famille. Déjà, est-ce que vous saviez, est-ce que tu sais que c'était le serpent qui occasionnait cela?
Non, mon frère, je ne savais pas. En dehors de Mais ça, je donc. savais quand même que c'était l'œuvre de l'ennemi. Oui. En dehors de cela, il y a des hauts lieux, un lieu de visitation, des hauts lieux où il y a des crânes. Eh oui, c'est vrai. Dans la maison même, il y en a, mon frère. Oui, ça, c'est une malédiction comme cela. Voilà donc les principaux, enfin, les problèmes principaux de la famille. Et C'est curieusement, vrai, c'est. cela a causé tellement la mort dans ma famille, Voilà. mon frère. C'est curieusement ce qui cause la mort et la destruction. On vous dit que c'est ça qu'il faut aller faire pour avoir la solution. Oui, mon frère, c'est vrai. Il y a de cela peut-être à 9 ans, je faisais même des visions où il fallait qu'on aille dans le village de l'arrière, de mon arrière-grand-mère faire des traditions. Je voyais cela en songe, en fait. Oui. Bon, je vais vous raconter un songe que j'ai fait étant en Arabie Saoudite, quand j'étais encore là-bas. Un jour, j'étais en train, je pense que j'étais en jeûne avec mes soeurs de l'Arabie. Et un jour, le Seigneur, dans le songe, j'étais dans notre maison familiale, la maison de ma grand-mère, où on m'a accouchée et où j'ai grandi. J'étais en train de marcher tout simplement comme ça et je me dirigeais d'un lieu très, très spécifique. Je ne savais pas en fait ce qui m'amenait là-bas, mais je marchais tout doucement avec une assurance en moi. Je marche, je descends parce qu'il y a un lieu sacré dans la grande concession de notre famille. Dans la grande concession, il y a un lieu sacré qui couronne tout le quartier en fait et tout le monde dans ce quartier. En effet, en Oh, effet. oui, mon frère. Et tout le monde dans ce quartier va là-bas pour faire des sacrifices. Pendant que je marchais donc dans le songe, je rencontrais des personnes qui célébraient le mariage. Je me rapprochais vers eux, je les saluais et je continuais juste mon chemin. Et quand j'arrive au lieu sacré, au pied de cette grande table où tous les marabouts, les voyants et tous les, je ne sais pas, là-bas fait des sacrifices depuis toujours. Et quand j'arrive dans ce lieu, je ressens en moi que en fait au fond de cet arbre il y a un nest et il y a un serpent. Je ne voyais pas cela, mais je ressentais, je voyais en esprit. Et subitement je dis: Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cet arbre, s'il te plaît, Père, donne-moi là où je vais creuser et voir ce qu'il y a ici au fond. Subitement, j'ai eu la houe en main et j'ai commencé à creuser, 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 creuser. Et pendant que je creusais tout en priant, il y avait bel et bien un énorme serpent au fond de cette table. Et quand je creusais, le serpent envoie d'abord son venin. Je dis: Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de l'épée. Donne-moi l'épée en ce moment même. Parce que l'épée a apparu entre mes mains. J'ai découpé le venin de ce serpent. Et pendant que j'ai fini de découper son venin, j'ai repris là où je continuais à creuser parce qu'il fallait qu'il sorte entièrement. Et pendant que je continuais à creuser, la queue est sortie de l'autre côté de là parce que le tronc était tellement énorme. La queue est sortie de l'autre côté. J'ai prié le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a donné l'épée de nouveau. Je suis allée découper encore, découper, découper la queue du serpent. Et pendant que je découpais sa queue, voilà la tête qui est sortie entièrement du fond du tronc de l'arbre et perchée au-dessus de moi. Le serpent était tellement énorme comme un gratte-ciel au-dessus de moi. J'étais là toute petite, mais j'avais l'assurance en moi. J'ai dit: au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. J'ai prié le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a donné encore l'épée de nouveau. Et pendant que le serpent agitait sa tête au-dessus de moi pour me faire du mal, pour essayer de me faire du mal, le nom du Seigneur était dans ma bouche. Pendant qu'il agitait sa tête, j'esquivais. Moi aussi, de mon côté, j'ai lancé l'épée et lui aussi, il esquivait. On a fait tellement. On s'est. On a tellement combattu. Je lance, il esquive. Moi aussi, je lance, il esquive. Il lance, j'esquive, je lance. Toujours comme ça, jusqu'à ce qu'en un moment, je dis: Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas me dominer. Donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, livre-le entre mes mains en ce moment même.
Et la dernière fois, quand j'ai prié comme ça, la dernière fois qu'il a lancé sa tête, je me suis mise de côté. Sa tête est passée devant moi. J'ai tranché sa tête avec l'épée. Sa tête est tombée. Je me suis précipitée au-dessus de sa tête. J'ai découpé encore très bien sa tête pour me rassurer qu'il est vraiment mort. Et quand j'ai vu qu'il était déjà détruit, l'épée a disparu de ma main. Je me suis retournée, je suis remontée tout simplement comme je suis venue jusqu'à ce que j'arrive encore de nouveau dans la maison familiale. En fait, quand je montais, je suis passée dans la maison de l'une des épouses de ma grand-mère. Elle était assise sur le lit, étant tellement malade, gravement malade. Et quand je la regardais comme ça, je lui dis en patois, maman, est-ce que tu sais que si tu meurs en ce moment, est-ce que tu sais où tu vas aller? Elle me dit non, ma fille. Et en fait, je l'ai trouvée en train de prier. Je lui ai dit donc, maman, quand tu pries comme ça, en priant, il faut avouer tes péchés à Dieu. Comme ça, si le Seigneur te pardonne, tu seras réellement sauvé et tu seras guéri de cette maladie. Elle m'a dit, oui, mon enfant, j'ai compris. Je me suis retournée, je me suis allée chez nous. Et le lendemain, aux environs de 10 heures, j'ai reçu le message où on me disait que la coépouse de ta grand-mère, elle, parce qu'elle est la troisième femme dans notre concession, elle est tellement malade. En ce moment même, elle a déjà fait 3 jours à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, à paix, que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse. Voilà mon expérience avec le serpent, mon frère. Donc, ton expérience, justement, par rapport à ce combat avec l'esprit serpent de la famille, est un peu similaire à celle du frère que nous avons suivi, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Voilà. Je crois qu'il y a d'autres personnes ici qui vont. Pendant qu'on en a parlé, d'autres personnes sont en train de demander la prière parce que les attaques qui se trouvent là-bas, c'est proportionnel. C'est exactement ce qui a laissé passer dans la famille. Si vous le voulez, je propose que nous écoutions cette voice-là une fois de plus avant de continuer. Parce que il y a la sœur Elena de la ville d'Achanti à Achanti au Ghana. Je ne sais pas si elle est connectée. Je ne sais pas si la sœur Elisienne également est là. Les noms sont écrits ici là. Par rapport à ça, avant qu'on continue. J'espère que quand nous étions en absence, en offre là pour prier, vous étiez en train de prier, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Quand vous aurez votre document, j'ai mon agenda ici aussi. J'écris tout ce qui se passe. Écrivez ce que vous avez prié, ce qui se passe aujourd'hui et vous allez observer ce qui va arriver dans vos familles respectives. Alors, on prend ceci, je ne sais pas si la sœur Rizien est là et la sœur Elena de Ghana. Il y a encore une autre sœur là, je ne sais pas laquelle, mais on va la prendre tout à l'heure. Vous voyez que ça dérange vraiment. Donc, écoutons encore la connexion de ses frères, le témoin de ses frères et puis on revient. Shalom. Je suis le frère Jean-Pierre. Je vais vous donner ici mon témoignage sur l'esprit de serpent. Alors, ça se passe comment? Dans un songe, je me suis retrouvé comme dans un désert. L'atmosphère était bizarre. La lumière qui m'entourait était pâle. C'était franchement bizarre. Alors, j'entends une voix qui vient d'en haut qui me dit, regarde vers ton village. Je me tourne donc pour regarder vers mon village, vers la direction qui m'avait été indiquée. Je vois effectivement les gens de mon village qui tiennent entre leurs mains le serpent. Ils le tenaient comme des personnes qui tiennent un secret pour l'enterrement. C'est-à-dire qu'il y avait une rangée de personnes d'un côté et de l'autre côté une rangée également. Alors ces personnes-ci ont balancé le serpent en avant et en arrière et en avant. Après, ils l'ont lancé vers moi. Ce serpent-ci, malgré des milliers de kilomètres qui nous séparaient, ce serpent-ci s'est rendu auprès de moi en moins d'une minute. Il s'est déplacé avec une vitesse extraordinaire. Il avait une manière démoniaque de se déplacer, de se tordre pour avancer. C'était vraiment horrible.
ça incarne, il incarnait la peur en fait. J'avais tellement peur. Alors, quand il arrive auprès de moi pour m'attaquer, il était tellement enragé, plein de... Je pouvais ressentir la haine, la colère, la rage au fond de lui. Quand il m'attaquait, avec un regard furieux. Alors, gloire soit rendue au Seigneur. Si j'étais véritablement seul là, je crois qu'il aurait fini avec moi. Mais gloire soit rendue au Seigneur que quand il a commencé à lancer ses attaques, je me suis senti comporté dans les mains d'une personne. Ce main était tellement grande et cette main a esquivé le morceau du serpent pour que ce morceau ne me touche pas de part et d'autre. Et là, quand le serpent me ratait, et il mordait la poussière, il arrachait la chair de la terre. C'était vraiment horrible. J'étais effrayé. Franchement effrayé. Dans le son, j'étais effrayé. Je me suis réveillé dans cet état d'esprit. Je tremblais et j'avais véritablement peur. Normalement, hors du songe, un serpent ne m'aurait pas effrayé comme ça. J'aurais pris le bâton et l'écraser. Mais ce serpent-là, franchement, m'a effrayé. Alors, quand je me réveille donc, je m'assois sur mon lit. Je m'assois sur mon lit. J'ai peur même de déposer mes pieds au sol. J'avais peur. Je me suis dit, tiens, c'est tellement son avertissement qu'il y a un serpent resté dans cette maison. J'ai regardé autour de mon lit, j'ai regardé à gauche et à droite, je n'ai rien vu. J'ai donc décidé d'aller vers les toilettes pour vérifier en fait. J'ai regardé, j'avais peur même d'avancer dans ma propre maison. J'avais peur d'avancer parce que franchement, j'avais peur. J'avais peur. Là, je me recouche, c'est passé. J'ai gardé ça en moi. Une semaine avant la pardon, je refais le même songe. Le même songe, qui en fait, quand je dis le même songe, je vois le même serpent dans le songe. Ça se passe comment cette fois-ci? Je suis comme dans une maison. Je vois premièrement ma nièce, secondement ma petite sœur. Et je passe en protecteur devant les deux personnes, devant mes deux sœurs. Alors je lui dis, je suis comme averti qu'il y a un danger à la maison. Je lui ai fait comprendre que, attention, prenez garde où vous mettez vos pieds. Alors j'avance, comme la cuisine, dans cette maison, la cuisine était à l'extérieur. Je m'en vais, j'ouvre la pièce, elle était tellement grande. Quand j'ouvre, je vois le même serpent dans la pièce. Dès que le serpent m'a vu, lui également, il a recommencé à se déplacer. Là, il le faisait autour de la pièce où il était. Il tournait dans les quatre murs. Avec une vitesse remarquable, une manière démoniaque de se déplacer. Comme il avait mal d'escalier, quand il a fini de faire cela, il s'était donc engagé de venir vers moi pour m'attaquer encore comme pour la première fois. Alors je me suis dit, ici, si je ne me défends pas, il pourra me mordre, non seulement moi, mais ma vessie avec qui je suis ici. Alors il faudrait que je me défende. J'ai donc pris un bâton pour le taper, pour le cogner à la tête, pour l'écraser. Mais il était tellement intelligent, il esquivait les coups de bâton que je frappais. Il esquivait. Il était tellement intelligent. Alors je dis, ici je ne pourrais pas m'en sortir si je ne vois pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je le tapais, je le frappais en disant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il s'est affaibli, il s'affaiblissait. Quand je prononce le nom du Seigneur, il s'affaiblissait. Quand je prononce le nom du Seigneur, il s'affaiblissait. Jusqu'à ce qu'avec son intelligence, il a su mettre sa tête sur une marche. Comme je ne pouvais pas m'approcher de lui, j'avais tellement peur de lui. Alors, je le frappe à distance et mon bâton n'arrivait plus à le toucher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soulevé sa tête, il a fait ressortir sa langue. Quand j'ai encore voulu taper sa tête, j'ai tapé mon bâton à toucher au niveau de sa tête. Je me suis dit que c'était le venin en fait. Le liquide qui était positionnant a jailli sur moi et ça m'a touché au niveau du pied, la main et au niveau du visage. Ça piquait comme du... Ça chauffait comme du piment. Ça piquait franchement sur la peau comme si c'était du piment.
suis réveillé encore. Ça, je ne pouvais plus supporter. Du coup, j'ai appelé le bien-aimé frère Junior pour qu'il essaie un peu de... Je lui ai expliqué le songe pour qu'il essaie de me donner... pour qu'il me donne la direction, en fait. Pour qu'il me donne la direction. Parce que ça, au fond de moi, j'ai ressenti que c'était une attaque spirituelle. Et je voulais une direction. Je suis là, donc, allé vers le serviteur de Dieu pour lui demander la direction, pour lui expliquer le songe. Et à l'instant, il m'a fait venir. Il m'a dit, viens ici, je te veux tout de suite. Il faut qu'on parle. Et quand je suis arrivé, il m'a fait savoir que ce que tu as vécu, c'est une attaque de sorcellerie. Que c'est une chose à prendre au sérieux. Il m'a posé la question, as-tu des rumeurs sur ta famille en ce qui concerne la sorcellerie? Entre chez moi, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. Et il y en a franchement. La sorcellerie chez nous, il y en a. Ça coule les rues. Alors il m'a dit, ça c'est une attaque de sorcellerie. Cette personne avait l'en découdre avec toi. Maintenant alors, ce que tu as fait, suis maintenant cette instruction-ci. Voici ce que tu as fait. Ce que tu as fait, tu vas prendre 3 jours de jeûne. Pendant les 3 jours de jeûne, tu vas prier que tout esprit des serpents de ma famille, je l'écrase au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout esprit de ma famille, je l'écrase au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout esprit des serpents de ma famille, je l'écrase au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout totem en fait. Alors, j'ai dit oui, il m'a fait comprendre que à la suite de ces trois jours, on va observer pendant 10 jours. Les 10 jours, il y aura des morts. Parce qu'il y aura des personnes qui vont mourir. Il me fait comprendre qu'il y aura, un chef et une victime, selon ce que j'ai reçu. Et cette révélation m'allait drôle parce que je ressentais ce que j'ai vécu dans mes songes. Je voyais et je savais que le serviteur de Dieu disait la vérité en fait. Alors, je suis rentré. Il m'a demandé de prier franchement comme je n'ai jamais prié pendant ces 3 jours de jeûne avec beaucoup de ferveur et de sérieux. Il dit ok. Il m'a dit la finalité c'est qu'il y aura des morts. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il m'a donc dit qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout esprit de serpent meurt. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il dit amen. Alors, je me suis levé, je suis rentré chez moi. Le lendemain, j'ai commencé mon programme avec ma compagne. On a prié le premier jour, prié sur les instructions qui nous ont été données. Le deuxième jour, on a prié sur les instructions qui nous ont été données. Le troisième jour, on a prié. Et on a fini le jeûne. Les jours suivants, on a fêté notre Pâques. Ce qui est étonnant, c'est qu'après 3 jours, après 3 jours de jeûne, je veux dire, après 3 jours du jour de la Pâques qu'on a célébré, une nouvelle, on m'a appelé du village pour me faire savoir qu'il y a une maman, l'une des femmes de mon feu père, est gravement malade et hospitalisée. Et qu'elle refuse même de venir en ville pour se faire des soins, qu'elle ne peut pas supporter que ses enfants puissent dépenser de l'argent pour rien, qu'elle va se soigner là-bas au village. Alors, elle est gravement malade et hospitalisée. Alors, au fond de moi, je me suis dit, ça, c'est le résultat de la prière que j'ai faite. Et toutes ces personnes, la personne que je viens de mentionner tout à l'heure, dans notre famille, elle est réputée pour la sorcellerie. Alors, après ces jours, comme 10 jours m'avaient été donnés jusqu'alors, j'ai fait mon témoin, les 10 jours ne sont pas accomplis, donc j'observe encore, et on observe encore nous tous, jusqu'à présent, mais depuis lors, le serpent, je ne vois plus dans mes songes. Gloire soit rendue au Seigneur. Et donc, voici mon témoignage que je fais. Je remercie le Seigneur de ce qui nous donne les avertissements, de ce qui peut nous révéler des choses cachées. Quand l'ennemi veut nous atteindre, quand l'ennemi veut nous abattre, notre merveilleux Seigneur est là pour nous préserver, pour nous révéler, pour nous avertir, pour que nous prenions garde. Que toute la gloire et l'honneur le reviennent dans le puissant nom du Seigneur jusqu'à Nazareth. Bien-aimé, voilà donc mon témoignage. Shalom. Voilà.
La femme dans la sainteté, rebonsoir. Nous voyons donc là une similitude avec le cas de notre sœur Suzy Mafogo tout à l'heure. Nous voyons effectivement la même chose. Et quoi, plusieurs en ont comme cela. Je crois que c'est soit si franchement que le Seigneur prenne la sœur Jackie. Est-ce que la sœur Jackie est avec nous? Est-ce qu'elle nous entend? La sœur Elena de Ghana, est-ce qu'elle est là? Je ne sais pas si la sœur Aziza également, elle est là. Ça me dérange parce que ça, il se fait tard là maintenant. La sœur Aziza, est-ce que la sœur Aziza est là? Parce que mon écran est figé comme ça, je ne vois plus personne. Est-ce que la sœur Aziza est là? Ok, donc il y a la sœur Jackie, c'est ça? La sœur Jackie maintenant. Oui. Ok. La sœur Jackie, c'est écrit ici. Es-tu prêt donc enfin à en découdre avec le serpent qui couvre les œufs dans la famille? Ces œufs ne doivent pas se reproduire. Mais avant de répondre, mesure bien les conséquences de ceci. C'est ce qui est écrit ici. Allô, ma sœur. Oui, mon frère. Voilà, de façon subtile, ce serpent-ci. Si on pourrait dire serpent féminin, je ne sais pas s'il y a le féminin du serpent ou comment on appelle cela, ou c'est la serpent, ça c'est une serpent. Ça a les traits et les tracés sur son corps, des marques régulières, de façon symétrique. Ça couvre les œufs. On ne doit pas permettre que ces œufs-là puissent se reproduire. Si ça se reproduit, ça sera injecté à beaucoup de filles dans la maison. Tu attends une réponse de moi, mon frère. Ce qui est écrit, c'est es-tu prête enfin à en découdre avec le serpent qui couvre les œufs dans la famille? Ces œufs ne doivent pas se reproduire. Mais avant de répondre, mesure les conséquences de ceci. Vous voyez, c'est déjà des serpents tels que notre soeur Suzy Mafogo voyait, et puis le cas de témoignage de notre frère Jean-Pierre. Si ces serpents, si vous mordent dans les songes, c'est terminé. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ que dans ce combat-là, comme le cas de la sœur Suzy, elle prenait la roue, la machette, l'épée, ainsi de suite, et ça ne parvenait pas à le toucher. Vous voyez qu'il y a une même similitude à l'intérieur. Ce sont des puissances ténébreuses qui travaillent au travers de nos familles et héritées de nos parents par suite de, vous appelez, de l'idolâtrie. Les gens vont faire des sacrifices, ainsi de suite, et on leur donne des serpents. La Bible interdit ça de façon claire, comme on a vu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 33, verset 6, la dernière fois. Pas étonnant que le roi Josias, dans le livre des deux rois, au chapitre 18, verset 4, va renverser et briser ces serpents. Ces serpents, on doit les briser. Ils ne peuvent pas se convertir. Les serpents ne se convertissent pas. D'accord? On doit les détruire. Quand on va les détruire, les conséquences seront évidentes. Pour le cas de la sœur Jackie, si cette chose-ci est en train de couver ses œufs, donc, autrement dit, elle est en train de chercher où il va injecter ses larves. Qu'est-ce qu'on en fait, la sœur Jackie, avant qu'elle ne passe à la sœur Mafogo? Voilà, la sœur Mafogo, oui, la sœur Jackie, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Oui, mon frère. Mon frère, on les prise tous au nom de Jésus-Christ. On en finit avec eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as mesuré les conséquences. En fait, mon frère, oui. J'ai encore quelque chose à dire. Il s'agit d'un serpent très physique. Qui parle là? De la sœur Suzy Mafogo. Oui, la sœur Suzy, parle-moi. Attends, je te reviens parce que j'ai noté quelque chose sur le sang qui est sucé concernant ta propre vie. Le temps pour moi de parler avec la sœur Jackie. La sœur Jackie. D'accord. Oui, mon frère. Qu'est-ce qu'on en fait? Tu as bien mesuré les conséquences et ce qui va en découdre, non? Ou mieux, si tu as peur, tu fais comme notre sœur Gladys Cyril de Canada qui a dit non, il ne veut pas de mort dans sa famille, donc mieux il laisse ses serpents tranquilles.
Non, on ne va pas laisser les serpents tranquilles parce qu'eux-mêmes ne laissent pas les gens tranquilles. Ok. À l'issue des prières qui seront faites aujourd'hui, comme aujourd'hui c'est le décret, à l'issue de ceci, vous allez voir des choses qui vont se passer tout autour de vous, dans la famille, les portes qui seront ouvertes et pour ceux donc là qui expérimentaient cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, la sœur Jacqueline. Que la volonté du Seigneur soit faite, c'est bon. Amen. Amen. La sœur Suzy, maintenant, allons-y. Parlons de la. Je crois que vous voyez comment ça dérange là. La sœur Hélène d'Ashanti, je crois que c'est mieux d'appeler comme ça là. Avant de passer la parole à la sœur Aziza qui est notée ici. La sœur. C'est Rosalie aussi, oui. La sœur, elle nous entend. Pourtant, son micro, je vois son micro ouvert là-bas sur mon écran. La sœur. Vous m'entendez? Voilà, on t'entend. Oui, chère ma famille, je suis très contente d'être parmi vous ce soir, d'être vraiment, de vivre ce moment merveilleux avec vous. Vraiment, je suis très contente. Et je viens pour juste un petit témoignage en bref qui concerne mon expérience avec le serpent. Et en fait, j'ai l'expérience avec le serpent et le dragon. Je vais commencer par le serpent. En fait, il fut un temps, j'étais pas encore dans le Seigneur, j'ai déjà voyagé pour le Ghana. Et pendant que j'étais ici, j'ai conçu, en tant que j'étais avec mon mari, j'ai conçu un premier enfant que j'ai avorté. Et pendant la grossesse, l'enfant dans mon ventre en songe, c'était un serpent. Je ne sais pas si c'était un serpent ou plusieurs, je ne sais pas, mais en songe, chaque fois quand je faisais un songe concernant ma grossesse, c'était que je portais un serpent dans le ventre. Au point où, dans le songe, pendant que je marchais, les gens s'éloignaient de moi en disant « Oh, est-ce que tu sais que tu as le serpent dans le ventre? Est-ce que tu sais que tu as le serpent dans le ventre? » Et quand je touchais mon ventre dans le songe, je me rendais compte que réellement, il y a un serpent qui mouvait. Quand je touchais comme ça, je disais « Ah, je porte un serpent, je porte un serpent. » Donc, tout serpent dans le ventre. Et après quelques temps, j'ai eu des petits soucis. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon conjoint, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Au point où il me soupçonnait déjà du fait que j'allais avorter son enfant. Et réellement, c'est ce qui s'est passé. Je suis allée prêter l'argent parce qu'il m'avait serré, si je ne peux pas dire, il m'avait fait la passion, tout, de peur que je ne puisse prendre l'argent pour aller faire l'avortement parce qu'il pressentait cela. Et dans ma tête, c'était pas parce que je portais un serpent dans le ventre que je voulais avorter, c'est parce que je voulais voyager, je voulais aller en Europe, je voulais aller explorer la vie. Tu ne voulais pas être encombré avec l'enfant lors de ton voyage. Voilà. Je voulais pas porter un enfant qui va m'encombrer dans mes aventures et tout. Donc c'était là mon expérience. En fait, c'était là ce que j'avais en tête parce que je voulais voyager. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était pas parce que, en fait, c'était pas parce que je voulais voyager. Là, on t'entend plus, ma soeur. Je sais pas si c'est chez moi le problème. Allô, la soeur Hélène, on ne t'entend plus. Je crois qu'elle va nous revenir là maintenant. La soeur Aziza, allons-y. La soeur Aziza, dans cette famille, ce style de serpent, ce n'est pas seulement le serpent. Je parlais tout à l'heure dans l'un des. Dans, je ne sais pas si dans l'autre partie ou dans cette partie, il parlait
de poissons et de quoi que la sœur, je ne sais pas si la sœur Alida Kofi également elle là, de la sœur Alida s'est notée ici, des crocodiles et des reptiles. La sœur Aziza parle alors. En tout cas, voici le pourquoi je vous fais parler comme ça, c'est parce que quelqu'un peut avoir ces mêmes choses sans se rendre compte que c'est un problème. En parlant à cette personne, c'est en écoutant cela, comprend que là il y a problème. Parce qu'après ça, il faut qu'on entre dans la prière. Il faut qu'on achève avec la prière là. La sœur Aziza, vas-y. Mon frère, dès que tu as prononcé mon nom, mon corps s'est mis à trembler de toute façon. Oui. J'ai toujours eu un lien très particulier avec les serpents depuis que je suis toute petite. Mm. Entre 5 et 6 ans, de nuit comme de jour, je voyais toujours des serpents partout. Mm. En sommeil ou même éveillé, j'en voyais partout. Avec les yeux ouverts, donc on était toujours obligé de me porter sur les épaules. Et après, à un moment donné, bon, mes parents avaient essayé de m'emmener chez une guérisseuse, je ne sais pas, bon, je ne m'en souviens pas beaucoup. Mmh. Et comme c'est très tabou dans ma famille, ils ne sont jamais revenus sur ce problème. Mmh. Ils ne m'ont jamais réellement expliqué c'était quoi. Et à chaque fois que je cherchais de l'aide, on m'a toujours dit qu'il y a des serpents dans ma famille. Mmh. Et mes parents ne veulent pas m'aider. Et bah, vu que ce sont eux en plus qui sont la cause de tout ça, je n'ai jamais su réellement c'est quoi en fait. Mm. C'est récemment que j'ai fait un rêve, un songe, où j'allais à la rencontre d'une de mes cousines, la nièce à ma maman. Et en entrant, c'était un restaurant. Il y avait une forme de serpent en statue à l'extérieur. Mm. Et quand je suis rentrée, Ma cousine, elle était là et sa maman est rentrée avec un sac. Il y avait de la viande dedans et c'était une viande de serpent. Et je me suis dit que c'était le serpent qui était à l'extérieur. Quand je regardais à l'intérieur, j'avais l'impression qu'il y avait des formes qui bougeaient. Il y avait de tout dedans en fait. Et là, j'ai compris que c'était la viande de serpent qu'elle voulait me faire manger. Elle m'a demandé si j'avais envie de manger. J'ai dit que je ne voulais pas manger. Ne t'inquiète pas parce qu'il se passe sur son corps, d'accord? Parle, continue à parler. Et j'ai dit que je ne voulais pas manger la viande qu'elle était en train de cuisiner parce que j'avais compris que c'était des serpents en fait. Mmh. Et c'est ce qui se passait. Et c'est un peu ça, donc c'est toujours revenu dans ma vie cette histoire de serpents sans jamais réellement comprendre ce que c'est. J'ai jamais eu de réponse en fait sur tout ça. Vu que le phénomène qui s'était passé quand j'étais petite, plus jamais personne n'en a parlé. Ils sont passés à autre chose. À un moment donné, quand j'ai cherché de l'aide chez mon père, il m'a dit que c'est à cause de mon traitement que j'ai des hallucinations ou que je fais ce genre de cauchemar, comme ils disent. Mmh. Et bon, après, j'avais laissé tomber. Je cherchais plus de l'aide de leur côté. Mmh. Reste juste tranquille maintenant, reste juste tranquille, d'accord? Tu vas entendre cette voix te parler, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta puissance est brisée dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 toi puissant du serpent, tes œuvres sont dénoncées dans sa vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie maintenant. Tu as détruit et désorganisé sa vie. Elle ne doit pas vous servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Écoute maintenant ce voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi puissant de serpent, toi semence de serpent, je te détruis dans sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je te détruis dans sa vie. Elle ne va pas vous servir. Elle ne va pas vous servir. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton venin que tu as mis dans son corps quitte maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth.
Toute puissance des serpents qui agissait dans vos vies, écoutez cette voix. Quelle que soit la semence, quel que soit le lieu, je commande que ça soit brisé. Toi, puissance qui souciait les ovaires, qui poussait ces femmes à la faute, je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de lâcher leur vie. Toute puissance des serpents, des totems, quel que soit le lieu dans la famille, quel que soit le haut lieu où ça se trouve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche-la maintenant. Sors! Sors! Tu ne dois plus utiliser ses yeux. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Elle ne doit plus vous servir. Elle n'est plus dans votre confrérie. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous commander de lâcher ses enfants. C'est votre fin dans sa vie. Maintenant. Sors! Sors! Où est la sœur Mafogola? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là, mon frère. Ok, mais maintenant, je ne sais pas où, je ne te vois pas dans l'écran, mais quel qu'en soit le cas, il n'y a pas de problème. Maintenant, tends juste la main sur l'écran. Si tu peux avoir, tu vois mes mains sur l'écran, tu peux avoir ma main. Non, mon frère. Tu ne vois pas ma main. Non, ok, mais de toute façon, touche donc ton écran, l'écran de, je ne sais pas quel qu'est-ce que tu utilises, que ce soit la télé, quoi, l'ordinateur ou bien quoi, le portable. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, écoute bien cette voix. Je commande. Toi, puissant des ténèbres, toi, esprit des serpents, qui régnait sur la vie de cette femme, je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Sors. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute semence de serpent. Toute puissance de serpent qui régnait dans vos vies. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour les commander de vous lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne. Vous entendez cette voix. Vous avez couché dans le songe. Avec ce serpent-là. Vous avez mangé le serpent dans le songe. Alors que vous ne devrez pas le faire. Vous avez eu des rapports avec des serpents. Les serpents sont venus vers vous. Cette voix-ci est pour vous. Je commande que cette puissance, cette influence-là vous quitte. Au nom de Jésus Nazareth. Chez la sœur Suzy Mafogo, c'est sur toi maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Je commande. Toute puissance des serpents. Toute puissance des serpents. Qui régnait dans vos vies. Toute puissance des serpents. Le serpent, le serpent, le serpent. Toi, serpent, tu es dénoncé aujourd'hui. Tu as manigancé les enfants. Tu as voulu... Qu'on les lâche tranquille. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Toute puissance de serpent. Toute puissance de serpent. Toute semence de serpent. Au nom de Jésus Nazareth. Je vous commande de lâcher ces enfants. Lâche ces enfants. Lâche ces enfants. Lâche-la. 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 Tout poison que tu as donné dans son corps. Tu as injecté dans son corps pour l'utiliser. Au nom de Jésus Nazareth. La sœur Aziza, c'est dans ta colonne, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors! 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 Sors de sa colonne. Sors de sa colonne. Sors de sa colonne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors de sa colonne. Sors de sa colonne. La sœur Lysienne, je ne sais pas, je ne vois pas ta caméra, si tu as envie de m'entendre, mets juste ta main sur ta tête, tout simplement, tu laisses tranquille, tu laisses ce qui est en train de parcourir. Tout autour de toi, t'es parcouru. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Toute puissance des serpents. Dans ta colonne. Dans ta colonne. Dans ta colonne. Dans ta colonne, je commande que tu quittes. Je commande que tu quittes maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Lâche cette jeune fille. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, tout puissant de serpent qui régnait dans vos vies, qui dirigeait vos vies depuis votre village, depuis les hauts lieux, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous déconnecter de cela. Toute influence venant des arbres spirituels, venant de ces serpents, venant des Léviathans, tout puissant de serpent qui vient dans vos songes, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je commande que ça vous lâche aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, toute puissance de serpent qui avait empêché l'enfantement. Toute puissance des serpents qui suce les ovaires, qui bloque l'accouchement. Toute puissance des serpents qui lâche vos sangs. Je commande que ça vous lâche maintenant.
Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout puissant ne sait pas. Je commande que tu lâches cette femme maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de serpent. Toi, esprit de serpent. Ces enfants ne t'appartiennent pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Suzanne Mafogo, dis-moi ce qui se passe maintenant alors que nous sommes en train de prier. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens un peu mon corps à l'intérieur qui frissonne, mon frère. Ça frissonne pourquoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reviens vers toi tout à l'heure. Je reviens vers toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance de serpent qui apparaissait dans vos rêves, qui vous terrorisait dans le rêve. Toute puissance de serpent qui a détruit votre destinée. C'est la saison. Toi, puissance de serpent, tu dois libérer les enfants du Seigneur. Toute puissance de serpent, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de lâcher les enfants du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous déconnecte de ces sources. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous m'entendez? Vous entendez cette voix? Quel que soit l'arbre sur lequel vous êtes sur l'influence de l'esprit de serpent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous déconnecte de cette influence. Je vous déconnecte de cette influence. Au nom puissant du Seigneur Jésus, toute puissance de serpent qui influencez vos vies, influencez votre habitude, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoutez cette voix. Lâche son enfant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 La sœur Julien, ou c'est la sœur Julien, je crois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Julien Farah. Écoute cette voix. Écoute cette voix. Écoute cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi également, tu es sous cette influence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. 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 Toute puissance de serpent sur vos colonnes vertébrales, quel qu'en soit le cas, au nom puissant du Seigneur Jésus, commande que ça vous lâche maintenant. Écoutez cette voix, quelle qu'en soit la personne qui écoute maintenant, et vous êtes sous l'influence de cet esprit de serpent, je commande que ça vous lâche. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors! Sors de cette fille. Je ne sais pas si Juslaine Farah m'entend, ça se trouve chez elle. Si elle m'entend, qu'elle ouvre sa caméra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est chez toi, ça se trouve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Vous parlez de confrérie de sorcellerie. Julien Farah, c'est de toi qu'il est question ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle sort de votre mamette. Vous n'allez plus la préparer. Par la jalousie, vous voulez détruire sa vie. Vous avez essayé de la tuer. Maintenant, je vous commande de la lâcher maintenant. Je vous commande de la lâcher maintenant. La sœur Isène, ça va. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et mes soeurs, moi à votre place, je resterai dans la prière. Toute puissance de serpent, tout esprit de serpent dans ton foyer, dans ta famille, qui a de l'influence dans ta vie, commande, 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 que ça soit détruit, comme Joseph l'a fait avec ses serpents d'air. Détruisez, 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 détruisez. Au nom de Jésus, toute influence de serpent, toute influence. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ce soir? Toute influence de serpent, tout esprit de serpent qui règne dans vos vies, je commande que ça vous lâche. Je commande. Je commande. Je commande que ça vous lâche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tout esprit de serpent. Tout esprit de serpent. Vous m'entendez? Sors. Sors.
lâche le ventre de Juliette. Lâche son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Tu sors d'elle. Tu sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois plus utiliser ses yeux. Sors! 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous entendez cette voix? Toute puissance de serpent. Toute puissance de serpent. Le serpent ancien. Tout esprit de serpent. Serpent boa. Tout esprit de python. Tout esprit de serpent familial. Je vous commande. Je vous commande. Tout puissant de serpent. Je vous commande. Toi, esprit de serpent qui a respiré. Toi, esprit de serpent qui a respiré sur cette femme. Toi, esprit de serpent qui vomit les cafards. Toi, esprit de serpent qui vomit tes larves sur les enfants. Je te commande de les lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche ces enfants. Lâche-les. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Tout ton corps, quelle que soit la semence que ces esprits ont mis dans ton corps, de la colonne vertébrale, dans ton cerveau, dans tes yeux particulièrement, je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer aux prisonniers la libération. Je vous commande maintenant de quitter ces enfants. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Esprit du serpent, je vous défie avec le nom de Jésus. Que leur subconscient, leur esprit, leur âme, sous votre influence, soit renversé maintenant de votre présence. Au nom de Jésus. Sors! 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 Lâche-la! 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! 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 Dans tout ton corps. Tout ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout esprit de serpent. Vous m'entendez? Quel que soit l'endroit où vous trouvez, quel que soit le lieu où vous trouvez, quel que soit le haut lieu qui vous gouverne, je brise votre influence sur ces enfants au nom de Jésus. Je brise votre influence sur ces enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, par ton bras, et puis tu as frappé le dragon ancien, le serpent fuyant, le Léviathan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je peux voir la tête du serpent écrasée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux voir le serpent en train de danser la dernière danse. En train de s'enrouler à cause de sa tête qui est écrasée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Libère-la maintenant, libère ses yeux. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous entendez des sensations sur votre colonne vertébrale, sachez qu'il est présent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute influence, toute puissance des serpents qui avaient utilisé vos vies sur quelque point que ce soit. Pour vous qui avez eu des rapports sexuels dans le songe avec les serpents, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de vous lâcher. De vous lâcher. Toute semence de serpent, toute substance de serpent, toute influence de serpent, quel que soit les moyens, quel que soit le canal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça vous lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute influence de serpent dans la vie de mes soeurs, dans la vie de ma soeur, venant des eaux, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sors! Sors! Sors!
La sœur Hélène du Ghana, c'est chez toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, sors, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Suzy Mafogo, ça parcourt vraiment ton corps. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. J'ordonne que tout ton corps, quel que soit l'endroit où il y avait la substance, tout ce que tu as mangé, vous avez eu affaire avec le serpent, de façon ignorante ou consciente, peu importe. Aujourd'hui, c'est le décret qu'il vous lâche maintenant. Que ces influences dans ta vie te lâchent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les activités et ces influences dans ton corps, dans tes activités, cessent aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, serpent fuyard. Toi, serpent fuyard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, serpent cobra, que ce soit le python, que ce soit l'anaconda, la vipère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute influence avec les serpents, quel qu'en soit le cas, quel qu'en soit l'endroit, je vous commande, cette soirée-ci, les enfants de Dieu doivent être libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Sors! Tu n'utiliseras plus la voix, ni les langues, ni les yeux des enfants du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as sucé dans le sang de Mafogo Suzy, je commande que toutes tes influences, toutes tes maladies sortent de son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous écoutez cette voix. Je ne vous connais pas, le Seigneur Jésus-Christ vous connaît. Vous écoutez cette voix, quelle que soit l'influence que vous avez eue avec le serpent. Cette soirée est la vôtre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit déconnecté. Je peux voir le serpent frapper de la tête qui est en train de se trémousser. Le dernier soubresaut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta puissance est brisée. Ta puissance est renversée. Ton influence est coupée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui suces le sang des femmes enceintes. Qui suces le sang des femmes enceintes. Qui injectent tes poisons et tes substances dans leur vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus, vous qui avez mal au bas-ventre, vous qui expérimentez les couches de nuit venant de ces serpents, vous qui expérimentez des douleurs lors des règles, mettez juste vos mains sous vos ventres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toute influence de ces esprits, je commande de vous lâcher maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche ces saintes femmes. Tu ne dois plus les utiliser. Lâche-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne sous l'influence de cet enseignement, sous l'influence de cette voix, le Seigneur vous visite par cette voix. Je commande que toute influence de serpents dans vos familles, esprits familiers, connectés aux arbres, connecté aux sources d'eau, connecté aux profondeurs des ténèbres. Au nom de Jésus, sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Sors! 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 Lâche-la! Lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Lâche cette fille. Lâche-la. Sors, 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 sors. Sors. Sors d'elle. Tu es un esprit de python. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors maintenant. Sors maintenant. Tu es un esprit de python. Toi, esprit de python, je te commande de sortir de cette femme. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors, 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 sors d'elle. Toi, esprit de python. Toi, esprit de python. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors, 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 sors. Lâche son corps, lâche son corps. Lâche-la, lâche, lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous m'entendez, vous qui n'avez pas cette expérience, priez pour vos soeurs qui sont dans cette influence, parce que c'est terrible ce soir, c'est terrible ce que je sens de ressentir ici, c'est terrible. Toi, esprit de python, sors de cette fille.
Sors! 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 Sors de son ventre, sors de son ventre. Sors de son ventre. Tu as assez bouffé ses yeux comme ça. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Vous entendez cette voix? Toute puissance des ténèbres, toute puissance des serpents sous l'influence de cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous entendez? Je commande que vous lâchiez les enfants du Seigneur. Vous m'entendez, quel que soit l'endroit où vous m'entendez maintenant. Toute puissance des ténèbres, toute puissance des ténèbres, tout esprit de serpent qui influence vos vies, je commande que ça vous lâche. Que ce soit dans vos villages, que ce soit dans les toilettes, vous l'avez eu, que ce soit par des rapports sexuels. Où est la sœur Hélène du Ghana? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! 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 Vomis toutes tes substances, tous tes poisons. Tu lâches tes enfants. Allez, sors! Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Vous entendez cette voix? Seigneur, pas par notre force, pas ta miséricorde. Que ta miséricorde parle en notre faveur. Que ces familles expérimentent la paix. Seigneur, tu as dit que ces influences ont traversé des générations. Et on continue à le porter parmi nous, sans en rendre compte. Et ce soir, tu as décidé d'en finir avec. Toute puissance de ténèbres qui se trouvait dans vos familles. Toute puissance de ténèbres qui se trouvait dans vos familles. Venant du serpent. Pour lécher, que ça soit conscient ou inconscient. Vous avez participé. Vous êtes sous cette influence. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour déconnecter votre vie de cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, Python, sors d'elle maintenant. Allez, c'est parti. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, c'est parti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute substance de serpent. Sors! 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 Tu ne dois plus l'utiliser. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Je commande à tout esprit familier du serpent qui manipulait vos vies de vous lâcher maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui tenait votre bénédiction. Toutes ces puissances de sorcellerie qui détruisaient votre foyer, votre famille, votre avenir, votre carrière, qui vous ferait tourner en rond. Aujourd'hui, c'est sa fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, merci Seigneur pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de serpent, quel que soit l'âge dans la famille, quel que soit le temps qu'il a mis dans la famille, aujourd'hui son influence sur vos vies est brisée. Que la tête des serpents soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes soeurs, vous ferez me de les découper. Découpez-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Découpez-les. Découpez-les. Toute puissance des serpents qui est sous votre influence. Qui vous influencez. D'une façon ou d'une autre. Qui a influencé vos vies. Découpez. Découpez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commandez que ça soit découpé. Et ça sera ainsi. Ça soit ainsi. Merci Père. Toute influence des serpents. Toute puissance des serpents qui était sous vos vies. Dans vos vies. Et qui agissait dans vos vies. Contre vos vies. Commandez. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, commandez, 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 commandez. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, commandez, commandez, commandez. Commandez, commandez. Commandez, commandez, commandez. 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 Ça sort. 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 Commandez, 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 commandez. Toute puissance, quel que soit le lieu où ça se trouve, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans un arbre, que ce soit dans l'eau, au fond de l'eau, dans les toilettes, commandez, 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 commandez. La tête du serpent doit être brisée. Ah mon Dieu, je peux sentir, au nom de Jésus de Nazareth, que toute puissance du serpent détruisez les fondements, détruisez les fondations, que ce soit les larves, que ça quitte. Détruisez, coupez la tête au nom de Jésus de Nazareth. Commandez. Trop c'est trop. Tu n'auras plus les visitations des serpents dans le songe. Vous n'avez rien à voir avec le serpent. Toute personne qui a fait alliance avec le serpent n'est pas ton ami. Vous détruisez tous ces serpents. Détruisez, détruisez, détruisez avec leur effet dans vos vies. Commandez, commandez, commandez. Au nom de Jésus de Nazareth, commandez, 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 commandez. Oh, toi puissant du serpent qui manipulait la vie des enfants, qui manipulait la vie de ses enfants, vous m'écoutez, qui absorbait des richesses. Toi qui as entré dans la vie de ces jeunes filles par suite des rapports sexuels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de quitter son ventre. Je te commande de quitter son ventre. Je te commande de quitter son ventre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Toi qui es entré dans la vie de cette autre femme si par initiation, je te commande de la quitter. Je te commande de la quitter. Tout esprit, tout reptile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commandez, 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 commandez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie d'Alida Kofi. Commandez, commandez. Que tous ces reptiles-là quittent vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commandez, 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 commandez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commandez. Oui, commandez, commandez. Soit vous lâcher. Commandez, commandez, commandez. Commandez, commandez. Toute influence de serpent dans vos vies. Toute influence de serpent dans vos vies. Que ça soit brisé. Toute influence. Quel qu'en soit le niveau où c'est arrivé. Même le niveau où vous n'avez pas mentionné, vous ne connaissez pas, que ça soit brisé. Ce soir, c'est ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit des lézards envoyés contre toi, des crocodiles, que ce soit n'importe quel reptile de la race des serpents, au nom de Jésus-Christ, que ce soit le vipère, les vipères, que ce soit les pitons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, que ça tombe au nom de Jésus. Que ça tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça tombe dans ta famille, quelle que soit l'influence. Que ça tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je découpe, je frappe la tête du serpent de Léviathan. Je découpe la tête du serpent Léviathan dans la vie de ma soeur. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de son foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie de la soeur Carole, dans la vie de la soeur Reine, dans la vie de la soeur Rosalie, dans la vie de la soeur Viviane. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chez Rosalie, n'importe où que ça se trouve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est chez Hélène. Au nom de Jésus de Nazareth, quelle que soit l'influence du serpent, au nom puissant de son Jésus, vous entendez cette voix, vous êtes sous son influence. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande que toute puissance du serpent dans la famille tombe maintenant au nom de Jésus Christ. Seigneur, nous renversons les forteresses de ces serpents. Nous renversons les desseins de ces serpents. Nous renversons tout ce qui sous-tend ces idoles, tout ce qui les nourrit, que ce soit par le poulet, par le sang. Qu'il suce dans la famille, que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous coupons les têtes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, Seigneur, tu dis que tes enfants viendront avec des témoignages de ces choses. Et ils verront effectivement la gloire dans leur vie à l'issue de ces choses. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, toute puissance des serpents. Qu'elle tombe et meurt au nom de Jésus. Qu'elle tombe et meurt au nom de Jésus. C'est la cessation de leurs effets dans nos vies. Dans ton foyer. Dans tes études. Dans ton travail. Dans ta famille, au nom de Jésus, tout blocage occasionné par ces esprits, que ça cesse aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne pouvez plus rester, vous ne pouvez plus rester,
Oh, dans la vie de Sandrine, dans la vie de Karine, toi, esprit de serpent, je te défie avec le nom de Jésus. Je te défie dans la vie d'Elena. Je te défie dans son foyer. Je te défie dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander que quelque chose leur sera fait. Seigneur, nous réclamons, Père de gloire, la libération totale de ces esprits de serpent dans nos familles, dans nos foyers, dans nos familles. Toute influence dans la vie maritale de quelqu'un, toute influence dans le ventre qui suçait, oh Dieu de gloire, les ovaires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute influence de ces serpents soit chassée, brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute influence de ces serpents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant qu'on est en train de prier, il y a parmi vous certaines personnes qui sont en train de gazer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, que ça sorte maintenant, toutes les influences. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai détruit tous les effets dans ta vie. Détruit, toute influence dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruit. Du côté de Viry-Châtillon, détruisez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruisez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruisez. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Commandez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruisez. Vous rêvez que vous marchez, il y a le serpent tout autour de vous. Vous rêvez que vous coupez un serpent et ça ne peut pas, ça, le reste fuit. Alors c'est le symbole pour montrer clairement que vous avez le problème. Détruisez. Dans votre colonne vertébrale, vous qui m'entendez, vous entendez ces choses. Détruisez. Vous qui vous sentez, toute sensation que vous sentez maintenant dans vos têtes et autres, ça montre que vous êtes connecté de façon familière avec ces serpents. Détruisez. Quelle que soit l'influence, je commande que ça soit brisé. Que ça soit brisé. Dans vos vies, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit brisé. Tout esprit de serpent, de dragon, d'anaconda, quel qu'en soit le cas, la vipère, vous rêvez comme le serpent sort de votre appareil génital, comme ils entrent, comme vous couchez, qui traverse sur vous dans le lit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruisez. Que ce soit le serpent volant, le serpent noir, vert ou rouge, le serpent marron, le vieux serpent chez les Jacquis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruisez. Dans vos colonnes vertébrales, dans vos systèmes nerveux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruisez. Détruisez leur influence. Détruisez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruisez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruisez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande de libérer ces enfants. Ils ne vont plus vous servir. Vous ne serez plus leur influence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chez la sœur Julien Fa, ça se trouve là-bas. Du côté de Adama, au Bénin, ça se trouve là-bas. Suzy Mafogo, ça se trouve là-bas. Chez la sœur Reine de Bruxelles, ça se trouve chez toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la soeur Carole Châtelon, ça se trouve là-bas. Au nom de Marie-France Sophie, ça se trouve là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande. Je commande que vous lâchez. Lâchez ces enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout puissant de serpent qui était destiné à détruire vos foyers, détruire vos vies. Que la lumière soit dans vos foyers. Que ce soit, quelle qu'en soit leur influence. Je commande que ça vous lâche. Vous m'entendez maintenant. Et cette voix résonne comme la cloche dans votre esprit, dans votre tête. Vous avez des molles de tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça vous lâche. Tout puissant de serpent, dans vos vies, dans vos colonnes, dans vos têtes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes entré par initiation. Vous avez bu le remède traditionnel, c'est entré. Vous avez été initié sans votre consentement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet esprit soit brisé. Commandez. Vous avez autorité. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur eux. C'est ainsi dit le Seigneur dans Luc chapitre 10. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Marchez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commandez. Commandez. Toute influence ne sait pas. Marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche. Commandez.
Écoutez-moi très attentivement, écoutez cette voix. Vous entendez cette voix. Vous savez effectivement qu'en entendant cette voix, vous n'êtes pas indifférent. À cause de ces choses, les événements se passent dans ton corps, ça se produit dans ton corps, tout autour de toi. Quelles que soient les sensations que vous avez, quelles que soient les sensations, la sœur Josiane, quel qu'en soit ce que vous ressentez, écoutez très attentivement, écoutez, demeurez ferme dans cette prière. Toute puissance de serpent qui habitait dans ton corps, qui influençait ta vie, commandez que ça soit brisé, commandez, continuez. La sœur Josiane, continuez. La sœur Hélène, toi qui as les mots de tête en ressentant, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commandez. Toute puissance des dragons, toute puissance des crocodiles, toute puissance des esprits magnifiques venant du serpent, tout venant du serpent. C'est contre vous, nous le dressons ce soir. C'est toi qui as imbibé ces enfants-ci, imbibé la famille, tourné la famille. Que tout ton poison, ton venin cesse aujourd'hui. Dans la vie de ma soeur Carole. Oh, ma soeur Carole, ça se trouve chez toi. Regarde au-dessus de sa tête. Ah, c'est terrible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute influence, toute puissance de serpent dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est uniquement avec le nom de Jésus-Christ que vous pouvez vous en sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance de serpent. Vous m'entendez? Vous avez des rapports sexuels avec le serpent. Vous m'entendez? Vous avez des songes avec le serpent. Vous m'entendez? Vous voyez le serpent qui vous poursuit chaque fois dans le songe, qui vous a même mordu. Oui, il y a quelqu'un ici qui m'entend qui a été mordu par le serpent. Écoutez-moi très attentivement. Je commande que ce serpent vous sorte maintenant. Que son influence vous lâche maintenant. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous entendez cette voix. Je commande que toute puissance de serpent qui vous animait, toute puissance de serpent qui vous animait, je commande que ça vous lâche. Priez. Du côté de Viry-Châtillon, priez. Les étincelles vont par là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est-ce que ça concerne là-bas? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Juliette Farr, c'est pas fini sur toi. De l'autre côté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Camille Bafon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Adama, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est sur toi. C'est sur toi. Ouvrez vos caméras. Waouh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout influent de serpent, toute puissant de serpent, qui marchait dans ton corps, qui marchait sur ton corps alors que tu dormais, qui volait dans ton ventre, toutes ces sensations, je commande que ça s'arrête aujourd'hui. Toi, esprit de serpent, tu es brisé. Ton onction est brisée. Ton influence est brisée dans la vie de ses enfants. Écoutez cette voix, vous tous qui m'écoutez, quel que soit le lieu dans le monde entier, vous êtes sous cette influence. Vous avez été cela dans votre famille. Ça n'a pas de sens. Au nom de Jésus, ça doit s'arrêter maintenant. Vous entendez ma voix, ça doit s'arrêter. Toi, esprit de serpent, qui a influencé ses enfants, cette nuit, c'est nous en décousons avec toi. Tu les lâches maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Toi qui logeais sur le bas-ventre des enfants du Seigneur, toi qui logeais dans son bas-ventre pour sucer le sang, au nom de Jésus-Christ, je te commande, je te défie avec le nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de serpent, vous m'entendez maintenant, dans le village, quel qu'en soit l'arbre qui logeait votre esprit, l'esprit de serpent, quel que soit l'esprit de serpent, vous avez pris dans l'eau. Toi qui as cet esprit puissant de serpent, appelé la reine de la côte, je te commande de lâcher ces enfants maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches ces enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance de serpent. Vous ne pouvez pas vous cacher. Toi, cet esprit qui manifestait ta vie dans la vie de Suzy Mafogo, je te commande de la lâcher. Que la lumière soit dans ton être là-bas, dans ton corps. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Toi qui manifestais ta vie
dans la vie de cette femme. Je te commande, toi esprit de serpent, je te brise ta tête au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, voici le pouvoir que je vous ai donné, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, quel que soit le venin, que ce soit le venin de l'aspic, que ce soit le basilic, que ce soit le serpent, la vipère, au nom de Jésus que Nazareth, ton influence, nous les brisons, nous les renversons. Sors d'elle, vomis-moi toutes ces substances. Allez, c'est parti. Toi qui cales dans son cou et l'empêche de vomir, au nom de Jésus, sors. Sors de son cou. Sors. Sors de son cou. L'Esprit du Seigneur sur moi. Sors de son cou. Sors. Vomis-moi toutes tes substances que tu as mis dans son ventre. Tout. Au nom de Jésus, vomis-moi tous tes poisons. Sors! Ah oui. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Vous m'entendez? Si vous pouvez ouvrir votre caméra, ouvrez juste vos caméras. Au nom de Jésus de Nazareth. Si vous voulez ouvrir votre micro, il n'y a pas de problème. Ouvrez. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est le moment. Satan, tu quittes la vie de cette femme. Toute personne qui m'écoute actuellement, vous écoutez cette voix, vous êtes sous cette influence. Le serpent vient dans le songe, vous rencontrez, vous le voyez. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande. Au nom de Jésus de Nazareth, tu quittes ces enfants. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous m'entendez? Toi, esprit de serpent, qui règne dans la vie de ses enfants. Toi, esprit de serpent, qui règne dans la vie de ses enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, la puissance de Dieu est disposée ce soir. La puissance et l'autorité du nom de Jésus est disposée ce soir pour en découdre. Toi, puissant de serpent. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Seigneur Jésus de Nazareth. La sœur Hélène de Ghana, tu m'entends? Ouvre ta caméra. Ça, c'est grave chez toi. Ouvre ta caméra. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans tout ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous entendez cette voix. Vous avez eu des rencontres avec le serpent. Vous avez allé titiller. Ils ont été titillés dans les songes. Alors ceci est pour vous. Je commande. Que vous soyez sur l'influence du serpent, vous en êtes conscient ou pas, je commence ce soir que ça soit brisé, que tout serpent dans ta vie qui t'effraie dans le songe, qui vient dans le songe vous attaquer, ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, que ça soit brisé. Au nom de Jésus de Nazareth, commandez. Vous entendez cette voix, vous êtes sous l'influence de cet enseignement. Alors, écoutez-moi, que tout esprit de serpent dans vos vies, dans vos corps, soit renversé, que leur tête soit écrasée, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, commandez, vous avez, toi esprit de serpent, tu es passé de façon subtile, entré dans la vie de ma soeur. Troubler son foyer, troubler son cœur, troubler son ventre. Oui. Oh, toi, esprit, qui a craché des substances dans son ventre pour bloquer ses entrailles, je commande que tes substances sortent aujourd'hui. Je commande que tes entrailles s'ouvrent. Je commande que toutes ces choses soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas résister. Vous ne resterez pas là-dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commandez. Aujourd'hui, c'est votre jour de liberté. Tout puissant de serpent, tout esprit de serpent, tout influent de serpent dans vos vies. Je commande que ça vous lâche. Au nom de Jésus de Nazareth. Je peux voir la tête du serpent brisée. Je peux voir la tête du serpent brisée.
Tu n'auras plus d'influence dans la vie de ma sœur. Tu n'auras plus d'influence dans la vie de ma sœur. Ta puissance s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, commandez. Toute influence venant de l'initiation de la famille, venant des attributions de la famille, que ce soit les hauts lieux, des totems familiales, que ce soit le haut lieu de la chefferie. Oh, vous qui êtes issus de la chefferie avec ces hauts lieux, au nom de Jésus-Christ, renversez tout cela dans vos vies. Renversez, détruisez. Détruisez les fondements, détruisez les fondations. Oui, détruisez. Comme je demande, détruisez, détruisez. Des hauts lieux, Seigneur, papa le combat. Toi qui viens des hauts lieux à Baka, je te détruis au nom puissant de Seigneur Jésus. Je me fous à tes enfants, dans ma femme, au nom puissant de Seigneur Jésus. Cette nuit, c'est la nuit de votre liberté, de cette influence du serpent. Serpent, tu n'auras plus affaire dans la vie de ma soeur. Tu n'auras plus tes tentacules, ni tes substances, ni tes larves dans sa vie. Je commande tout esprit qui avait régné dans sa vie jusqu'à maintenant, que ce soit dans le vagin, que ce soit dans le ventre, dans les ovaires, dans les yeux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu les libères. Tu les libères. Tu libères les foyers. Libère les ventres. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mettons fond à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le décret est tombé. Vous quittez la vie de ces enfants. Vous quittez la vie de ces enfants. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. La sœur Alida Kofi, tu m'entends. Que tout être esprit de crocodile, de lézard de mer, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ça sorte. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. De la vie de tes enfants. Commandez. Toi qui es marié à l'esprit des serpents. Toi qui es marié à l'esprit des serpents anaconda. Toi, vous m'entendez. Vous êtes sous cette influence. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que sa tête soit coupée aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Commandez. Vous saurez aujourd'hui que quelque chose s'est passé dans vos vies. Ça doit changer. Tes œuvres prennent fin dans nos vies maintenant, mon nom, sans que tu te renversons, nous t'écrasons, nous te détruisons, nous te donnons le nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère nos vies, libère nos vagins, libère nos bavanes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère nos destinées, libère tout ce qui appartient à nous. Au nom du sang, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance de serpent. Toute puissance de serpent qui tenait vos vies captives. Sur quelque plan que ce soit. Vous avez sucé le remède chez le marabout. Le serpent est entré. On vous a donné le remède pour vous les entrer dans le ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça vous lâche. Je commande que ça vous lâche. Au nom puissant de Jésus. Nous t'arrachons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je soumets tous vos corps sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Que tout ce qui arrive dans vos vies soit sous cette influence. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi, puissance des ténèbres qui régnait dans la vie de ses enfants, je te commande de les lâcher. Il te commande de les lâcher. Priez. Découpez, écrasez. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. N'ayez pas crainte. Ils vont vous faire la guerre, ils ne vont pas vous vaincre. Ce soir, on va en terminer avec eux. Libère nos corps, libère nos yeux, libère nos membres. Vous avez la victoire dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Commandez. Cette nuit-ci, ça ne sera plus le même. Le nom de Jésus-Christ Nazareth, ça s'arrête aujourd'hui. Josiane, si tu m'entends, tu es sous cette influence. Tu es sous cette influence. Si Josiane m'entend, tu es sous cette influence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
du côté de boulevard Davos, si vous entendez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance des ténèbres, toute puissance des serpents, tout esprit des serpents, sous votre influence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça vous lâche. Que ça vous lâche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Suzy, tu m'entends, n'est-ce pas? Si tu m'entends, écoute cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ton corps, que toute substance, que ces serpents amenés dans ton corps sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commande, commande, commande. C'est terrible ce qui est dans ton corps. C'est terrible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande sortir de ton corps. Avec des substances, des germes. Au nom puissant. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Commandez, 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 commandez. Au nom puissant du Seigneur. Commandez, commandez. Commandez, commandez. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Commandez, commandez, commandez. Tout puissant des ténèbres. Tout puissant des ténèbres. Oui. Ma famille et moi. Au nom puissant du Seigneur. Maintenant. Seigneur, tu es merveilleux. Tout puissant des ténèbres dans vos vies. Je commande. Maintenant. Que ça vous lâche. Toute maladie que tu as produite dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commandez, commandez, commandez. Commandez, 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 commandez. Commandez, commandez, commandez. Commandez, commandez, commandez. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres qui appartenait dans votre loge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Vous êtes sous cette influence. Vous êtes sous cette influence. Je commande que ça vous lâche. Lâche ces enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renversé, renversé, renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous l'avez eu par initiation. Vous l'avez eu de façon ignorante. Par les rapports sexuels. Par des visitations chez le marabout. Quel qu'en soit le cas, passe, peu importe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commandez, 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 commandez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah Seigneur, merci pour ce que tu fais pour tes enfants. Merci pour ce que tu fais pour tes enfants. La sœur Hélène de Ghana, tu m'entends? Ça se trouve chez toi. La sœur Hélène, tu m'entends? Parle-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Hélène, tu m'entends, n'est-ce pas? Ça se trouve chez toi. Je commande que ça te lâche maintenant. Pour que ce soit, pour te briser, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout puissant de serpent, tout esprit de serpent qui influençait vos vies, que ce soit dans vos manières de réfléchir, dans votre foyer, dans vos choix, vos destinées, quelle qu'en soit leur influence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ces esprits de serpent qui suçaient la richesse, bloquaient vos finances, bloquaient le travail. Écoutez attentivement, ce soir ne sera plus même. Vous entendez, vous écoutez cette voix. Au nom de Jésus, que ça vous lâche. Priez, priez, priez. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
tes œuvres prennent force. Attends avec tes œuvres. Au nom puissant, vous Seigneur. Nous détournons le tout. Nous te détruisons. Nous t'écrasons. Nous t'arrachons de nos vies. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance de serpent, toute puissance de serpent, toute puissance de serpent qui était dans vos corps, dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous mettons fin à tes œuvres aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Commandez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère tout ce qui nous appartient. Au nom puissant du Seigneur Jésus. La sœur Linda, Melinda, ouvre ton micro. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est la sœur Linda ici? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres. Dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commandez. Que ce soit dans la vie de ton mari, que ce soit dans la vie de ton papa, dans la vie de ta maman, commandez que ce serpent soit détruit. Du moment où ça a l'influence avec vous, commandez que ça soit détruit. Qui a semé le célibat dans notre famille, tes œuvres prennent fin aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur. Toute substance, commandez. Oui, commandez. 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 Toute sa substance, ça doit sortir. Commandez. Toi qui as vécu dans nos vies, nous te détruisons aujourd'hui au nom puissant du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous m'entendez, vous êtes du Bénin. Vous avez eu trait à voir avec le vaudou. Vous avez eu à boire n'importe quelle substance venant du Bénin. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous commander de vomir cela. Toute substance venant de cette région, de l'Afrique de l'Ouest, toute substance de serpent venant de la part là-bas, de l'esprit de divination, au nom de Jésus, que ton influence, son influence soit brisée sur toi. Commandez. Vous avez mangé des choses du Bénin, venant des chers de marabout. Je commande. Vous m'entendez? Vous sortez du Bénin. Vous avez été au Bénin d'une façon ou d'une autre. Je commande au nom de Jésus Nazareth que ça soit brisé de vos vies. Au nom de Jésus Nazareth. Le nom de Jésus est contre vous. Vomis tout. Tout. Nom de Jésus Nazareth. Nom de Jésus Nazareth. Nom de Jésus Nazareth. Tout esprit de serpent qui causait les limitations, qui influençait ta vie, tu tournes en rond. Tu commences, ça ne finit jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça vous lâche. Tu lâches toutes les destinées des enfants du Seigneur. C'est leur saison. C'est la saison de la faveur de Dieu pour elles. Ça change de camp. Elles vont réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute limitation qui était fixée dans vos vies par cet esprit de serpent, que ce soit brisé et renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne resteras pas dans la limitation. Ta vie évoluera à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commandez. Esprit de python, esprit de serpent, que tout totem de ta famille, tout totem de famille tombe et meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
découpé. Fin dans ma vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je veux connaître le succès. Au nom puissant du Seigneur. Tous ces serpents qui sucent vos richesses, sucent vos destinées, sucent vos efforts. Commandez. Tout esprit familier, tout serpent familial, au nom de Jésus, que ça tombe et meurt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous appartenons au Dieu très haut. Nous appartenons au roi de gloire. Tes œuvres prennent fin aujourd'hui, maintenant, dans nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te commande de lâcher prise, d'aller. Oh Père, je te commande de quitter nos vies avec toutes tes œuvres, avec toutes tes germes. Maintenant, je te commande de tomber et de mourir. Maintenant, au nom du sang du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de Python. L'esprit de Saint. Je commande. Oh, je commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos têtes soient brisées. Commandez. Et coupé au nom puissant. Je peux voir la tête du serpent être écrasée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renversé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ton règne a pris fin maintenant dans nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous appartenons au roi de gloire, au Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a aimés, qui nous a sauvés. Nous appartenons au Seigneur des Seigneurs. Tes œuvres prennent fin aujourd'hui. Toi, c'est pas aussi. Nous te détruisons. Nom de Jésus de Nazareth. Nous te commandons de sortir de nos vies maintenant avec toutes tes œuvres, avec toutes tes gemmes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons fin à ton règne dans nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu te manifestes dans mon ventre. Je te sens sort au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Va-t'en au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je t'écrase, je te détruis, je te découpe au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ton règne a pris fin. Va-t'en au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Va-t'en au nom puissant du Seigneur. Je te commande, esprit de serpent, esprit de python, serpent ancien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Trop, c'est trop. Va-t'en, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te soumets à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Va-t'en maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Merci Père, je te rends grâce Père, parce que tu es une source. Merci Père, parce que je vois ta manifestation. Merci Père, parce que je vois ta puissance. Roi de gloire, Seigneur des Seigneurs, à toi seul mérite la gloire, la louange. Éternel, que ton nom soit élevé. Merci Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus est vivant. Le Seigneur Jésus est vivant. Lui qui a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est connecté ici, Linda. Je ne sais pas, son micro est fermé. Bon, je crois que son cas est assez terrible. Apparemment, elle vient d'être connectée. Si tu m'entends, ouvre ton micro, madame. Je ne sais pas qui c'est ici. Toute influence, vous m'entendez? Toute influence de serpent dans vos familles. Vous savez ce qui se passe ce soir. Ça ne sera plus même. C'est ainsi dit l'esprit. Ça ne sera plus même. Je te dis oui, Saint-Esprit.
Alors, la sœur Suzy, c'est noté ici le sang. Je ne sais pas ce qui te suce le sang. Elle m'entend là? Oui, mon frère. Donc, je suis là, mon frère. C'est noté sur ma feuille ici que ton sang a des problèmes. C'est comme si cet esprit a sucé ton sang. On a sucé ton sang dans les ténèbres. Je me rappelle que je partais mon fils. Comment? Une fois, je me souviens, j'ai fait un songe une fois, c'est comme si je m'étais blessée dans un songe. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai. Mon sang a coulé dans un songe. Ok. C'est vrai. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter la sœur Grâce parce que toi, apparemment, tu es proche de nous ici. Tu es au Cameroun, c'est ça? Je suis à Bafoussam, mon frère. Bafoussam, donc c'est à quelques 400 km d'ici. Alors tu vas faire le déplacement et fixer cela avec la sœur Grâce pour qu'on achève avec cela, d'accord? D'accord, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Il y a Amen, encore qui mon frère. ici? Il y a Également. encore qui ici? Voilà. La sœur Adama Camille, bonsoir. Ça, c'est du côté de Togo. Bonsoir, frère. Dis-moi, quelque chose montait dans ta gorge et ça voulait pas sortir. Pourquoi tu n'as pas mis ta caméra? Je ne te vois pas. Tu me vois, toi? Et alors, Oui, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? bonjour. Oui. Bon, au moment où je sentais une présence au niveau de mon pied, quoi. Oui. Donc, au fur et à mesure qu'on priait, ça montait, ça montait, ça montait. Oui. Donc, à un moment donné, je me suis jetée par terre, je priais. Bon, ça me faisait comme si je me tirais par terre. Bon, je faisais des mouvements. À un moment donné, bon, c'est venu au niveau de ma tête. Je tirais ma tête, je frappais sur ma tête. Et bon, ça me faisait un peu. Ça me donnait un peu. Oui. La sœur, si tu nous entends, ferme ton micro. Alors, la sœur Camille, attends d'abord. La sœur Suzy, ferme ton micro. Chez toi, c'est un peu bruyant. Oui, la sœur Adama, dis-nous, continue. Oui. Oui, bon, je disais que ça montait à travers mon pied. Donc après, c'est monté. Bon, je me suis jetée par terre, je criais, je sentais que quelque chose n'allait pas à Oui. moi. Bon. Je me tirais par terre. On m'a donné, c'est monté au niveau de ma tête. Je frappais ma tête. C'est comme s'il y a quelque chose qui dérangeait ma tête, quoi. Oui. Donc, à un moment donné, si j'avais envie de vomir, moi, j'ai vomi beaucoup, 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 beaucoup. Je me suis levée à un moment donné devant mon mari. Mon mari même était là. Quand il entendait des cris, il était venu. Donc, à un moment, je me suis levée. Quand j'ai fini de vomir, je me suis levée. Je lui demandais qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Et il me demandait, donc je ne savais pas ce qui m'arrivait. Oui. Maintenant, tu es libre au nom du Seigneur. Comment tu te sens maintenant? Amen. Je me sens libre. C'est comme si, présentement, au niveau de mes pieds, c'est comme si on a versé de l'eau glacée. Oui. Je sens une fraîcheur au niveau de mes pieds, quoi. Oui. Mais qui participait à une danse des choses de vaudou? Qui participait à cela? Bon, je ne sais pas exactement, puisque entre-temps, vous avez indexé la famille de mon mari, Oui. que c'est de son côté. Bon, il a demandé. Bon, il n'arrive pas justement à trouver la personne, puisque les personnes à qui il demandait, les personnes-là ne veulent pas lui dire la vérité concrète, quoi. Oui. Ou Donc, ton mari pour le moment, dans un endroit, je lui ai dit, il y a femme, il y a quelqu'un qui a des taches, des poudres blanches sur le corps, attaché le blanc, c'est ça, non? oui. Frère, s'il te plaît, la fois passée même, j'ai eu une attaque par rapport à cette femme-là. Je Oui. lui ai même dit ça. La nuit, je dormais, j'ai fait rentrer l'enfant, puisqu'on était en réunion avec les autres frères de la Côte d'Ivoire. Donc, comme l'enfant me dérangeait, j'ai fait rentrer l'enfant tout juste pour la faire coucher et retourner pour écouter les enseignements. Subitement, il y a une femme
il y a des éclairs qui sortaient de ses deux yeux envers moi, quoi. Oui. Donc, j'étais sur le lit. Je ne dormais pas. Oui. Donc, quand j'ai senti la force sur moi, comme si ça m'électrocutait, il y a une voix qui sortait de mon intérieur qui me disait que n'aie pas peur, il faut l'affronter. Mmh. Donc, c'est là que j'ai commencé par prier. Je prononçais le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et subitement, la femme là, elle disparaissait et elle est partie totalement. Bon, après, je me suis rendu compte que c'est la femme dont vous m'avez parlé. Elle était habillée en blanc. Oui. Avec des traces sur le corps. Voilà. Ce soir, c'est terminé. D'accord, ma soeur? Amen, 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 amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Ne vous inquiétez pas, il vient au Togo. Oui. Ils ont décidé d'en découdre avec les églises là-bas. Amen. J'arrive au Togo, d'accord? Mm-hmm. D'accord, amen. Merci Seigneur. Merci. Ton mari n'a pas eu peur, non? Non, il n'a pas eu. Plutôt, il priait aussi. Mm. Est-ce qu'il est une femme? Allô? Allô, frère? Oui, il vient prier avec les femmes. Il est une femme. Non, puisque comme je criais, il m'a vu la manière dont j'étais par terre. Bon, il était vu, il était obligé de venir. Courage, d'accord, ma soeur. Garde ta délivrance, d'accord? Amen, 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 frère. Amen, merci. La soeur que Aziza. Que notre Seigneur soit. Oui, que son nom soit glorifié, en effet. Personne parmi vous ne sera tranquille ce soir à partir d'aujourd'hui. Vous allez entendre des nouvelles. Vous allez entendre des nouvelles. Vous allez entendre des nouvelles. Je vous le dis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez entendre des nouvelles. La soeur Aziza, ça va? Et quoi que son micro est fermé. C'est ça. Tu m'entends, mon frère? Saint sur Saint, nous t'entendons. Excusez-moi, c'est que des fois, ça bloque un peu quand je veux déverrouiller. Oui. Comment tu te sens? Ça va très bien. Mm. Ça va. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Ton corps, dis-nous, qu'est-ce qui se passait? Oh là 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 là, mon frère. C'était tellement de choses bizarres. C'était très bizarre. C'est vraiment le corps qui réagissait violemment fort, en fait. Je me surprenais même et descendu, il me regardait, il était là, il se demandait ce qui se passait. Et ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. Ton mari est aussi venu à ton secours, c'est quoi? C'est ça? Oui. Il est venu voir ce qui se passait parce que, bon, on vit le même combat et ça fait des années, c'est pas facile. Donc, on est heureux de vivre ça ensemble. Il était juste sur l'escalier, il me regardait en bas, il voyait comment mon corps réagissait. Et il était en prière aussi. Garde ta délivrance, d'accord? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Où est-ce que je vais maintenant? Où est-ce que je vais? Et la sœur Hélène de Ghana. La sœur Hélène de Ghana, ton micro est ouvert. Oui, c'est ouvert. Parle-moi, comment tu te sens? Comment tu te sens maintenant? Oui, je sais que pour toi particulièrement, la connexion n'était pas favorable et par conséquent, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu seulement avec ces prières-ci. Dis-nous comment tu te sens, comment tu te sentais, comment tu te sens maintenant? En fait, pendant la prière, je sentais les fourmillements à l'extrémité des doigts et des pieds. Et mon ventre, je sentais les crampes, une très grande crampe qui me saisissait le ventre et les maux de tête violents par moment. Et pendant que je priais, mon corps était comme si... Je ne sentais plus mes membres, en fait. Quelque chose comme ça. Mais après, à la fin de la prière, je ne ressens plus rien. Je sens bien.
Amen, amen. Amen, amen. Qui d'autre ici? Qui d'autre? La soeur Carole, ça va? Oui, mon frère, ça va. Tu es prêt donc à entendre des nouvelles, donc, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Ok, les nouvelles. Prêt, mon frère. Les nouvelles, pour les nouvelles, tu en auras. Je reviens avec la sœur Elena du Ghana. La sœur Elena, ils sont en train de regarder quelqu'un. Oui. Un homme a pris le sang de ton menstru. Et il a fait quelque chose avec cette personne, ce n'est pas conventionnel. Oui, frère. Tu sais ça? Oui, frère. Dis-nous, si tu sais de quoi il est question, essaie de nous exposer parce que je suis en train de regarder, il y a un problème avec le sang. Ça, c'est le sang du menstru. Ça, c'est le menstru. Je sais pas, j'espère que c'est comme ça que vous appelez cela. Menstruation, c'est quoi? C'est ça, non? Menstruation. Oui, frère. Ok, dis-nous donc de quoi il est question, ma soeur. En fait, j'ai eu à rencontrer pendant mon parcours, quand j'étais en train de. Si je peux dire ça comme ça. Quand j'étais en train de vagabonder, j'ai rencontré un monsieur et chaque fois, que même quand je saignais, il me touchait dans le saignement. C'est même lui qui m'a sodomisé. Et depuis lors, je le vois dans les songes et qu'on sort. Et depuis lors, je n'ai pas pu le pardonner, mais dernièrement, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à le pardonner. Quand il faisait toutes ces choses, je ne savais pas. Donc, j'ai eu à faire des rapports sexuels avec les hommes, avec le sang de la menstruation. Mmh. Ouf, Seigneur. Ah. Ah, quelle vie, c'est. Ça va aller, ma soeur. Je crois que je vais mettre des pieds au Ghana à cause de toi. Je viendrai là-bas, ne t'inquiète pas. Je viendrai au Ghana. Amen. Je viendrai au Ghana. Amen. C'est pas terrible. Amen. Amen. Parce qu'à l'issue de votre rapport sexuel, je vois cet homme-ci s'est détourné et il a léché ton sang. Donc, c'était un sataniste. Et ces influences-là, ça se trouve sur... Oui, frère. Comment, ma soeur? C'est plus tard. Oui, frère, c'est plus tard que j'ai su qu'il était oui. Un sataniste. Parce que... Il était aussi porteur du VIH-Sida. Il a fait de toutes sortes de manières. Et il a voulu te donner cela. Ah, oui, quand il a couché avec moi, avec ce sang, c'était dans le but de me contaminer. Mais moi, je ne savais pas. Mais quand je suis venue dans le Seigneur m'a montré en songe. Et je le voyais boire les médicaments de rétroviraux. Et lui-même, il me l'a avoué un jour qu'il est séropositif. Et moi, je pensais que moi aussi, j'étais séropositive. C'est lui-même qui m'envoie à l'hôpital. Il me dit qu'il est avec moi, que même si je suis malade, il sera toujours avec moi. On va se marier et tout ça. Et quand je vais à l'hôpital, on me dit que c'est séronégatif. J'ai parcouru beaucoup d'hôpitaux. Même ici, on m'a dit que je suis séronégatif. Et quand je lui ai dit ça, il était très étonné. Il était dépassé. Il m'a regardé comme ça. Il était dépassé de la manière dont il couchait avec moi. C'est aujourd'hui que je comprends qu'il voulait me contaminer.
mais le Seigneur m'en a épargné. En effet, ce qu'il a fait avec toi, il a fait avec beaucoup de filles. Et c'est le rôle qu'il faisait. Il allait dans des lycées, il allait dans des boîtes de nuit, il attrapait les filles. Le but, c'était de leur donner cela. Oui. C'était un agent de destruction. Oui. Mais regardez la miséricorde de notre Seigneur, comment il peut protéger même dans le péché. Regardez. Et si aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de pointer du doigt le sang qu'il avait pris et il a sucé. Donc, le problème, c'est uniquement dans le niveau spirituel. D'accord? Au niveau spirituel. Ça doit s'arrêter. Ne t'inquiète pas, je viendrai vers toi. Plaise au Seigneur. D'accord? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Donc, ne pleure plus. Je crois que tu en as assez pleuré comme ça au point où tes yeux ont gonflé. Il y en a, si tu ouvres seulement ta bouche là, maintenant, c'est que chacun va pleurer ici avec toi. Donc, c'est mieux qu'on ferme la page avec ça. D'accord, ma soeur? Oui, frère. Gloire à Dieu. Mais souviens-toi. Souviens-toi, dans la famille, c'est terminé avec le serpent. C'est terminé avec le serpent. Amen. Gloire à Dieu. 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 Oh Seigneur, je suis très contente. Amen, merci Seigneur. Où est la sœur Rosalie? La sœur Rosalie est encore là? Je crois qu'elle allait dormir. Alors, mes soeurs. Je suis là, mon frère. Tu es là, ma soeur, il ne te voit pas. Je suis là. Il ne te voit pas. Comment tu vas? Je vais bien, mon frère, par la grâce. Courage, d'accord? Courage pour ce qui est devant, d'accord? Mon frère, pour ce qui est devant. Oui. Comment? Je peux en savoir plus, si c'est possible. Tu as remarqué que tu as porté le noir. Tout à l'heure, tu t'es vu sur mon écran, tu as porté le noir, c'est ça? C'est un pull marron. Ok. Ok. Si je porte le noir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ah ben, de toute façon, on va en parler, d'accord? D'accord, mon frère. La femme dans la sainteté, est-ce qu'on peut aller dormir maintenant? Non, mais attends, il y a quelqu'un ici. J'appelais quelqu'un ici aujourd'hui. Linda, c'est qui ici? Est-ce que... Non, c'est... Bon, en tout cas. À lundi, alors. Plaise au Seigneur. À lundi, bien-aimé. À lundi, que le Seigneur fortifie. Vous aurez des nouvelles. Amen. Et vous allez nous dire ici les nouvelles que vous avez eues. D'accord? Mon frère, désolé de couper, mais la soeur Linda que tu appelles, elle écrit en fait. Elle écrit dans le forum, je ne sais pas, peut-être elle ne peut pas parler, mais elle est en train de te répondre dans le forum, en fait. Oui, elle a dit depuis... Elle a depuis l'Italie, justement. Comment, ma soeur? Je dis que la soeur Linda, que tu ne fais qu'appeler, elle est en train de te répondre dans le forum, en fait. Elle dit qu'elle est justement venue ici à cause des esprits du serpent, parce qu'ils sont nombreux dans sa fondation. Et elle vit en Italie. C'est les informations que j'ai pu retrouver dans tout ça. Attends, je trouve, si je vois, ok. En tout cas, dis-lui, si elle m'entend, elle est sous cette influence. Il n'y a pas de problème. Comme elle est sous cette influence, okay. Elle va, d'ici lundi, elle va nous dire, on se retrouve lundi, lundi soir, plaise au Seigneur. On revient là-dedans, d'accord? Qui parle là? C'est la soeur Juliette Béatrice. Oui, alors parlons même de toi. Dis-nous, je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Il parlait de toi aujourd'hui. Où est-ce que c'est écrit ici? Bon, il y a des choses qu'on va seulement parler en privé, d'accord? Oui, frère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Frère Julien. Oui. Excuse-moi, c'est la soeur Kelly. Je voulais juste un peu raconter ce que j'ai ressenti pendant la prière. Oui. En fait, bon, mon corps s'est mis à trembler par un moment. Et puis, les jambes ont commencé à démanger, en fait. Ça me démangeait, donc j'étais obligée de gratter par-ci, par-là. Oui.
Et donc, alors, j'ai maintenant, ben, je voyais, enfin, je me disais, je n'ai jamais eu des songes avec des serpents, tout ça. Bon, je me disais, ça ne me concernait pas. Or, au fur et à mesure, je me suis rappelé, en fait, quand je portais encore des faux cheveux, bon, au début, quand je commençais avec mes enseignements, j'avais fait un songe comme s'il y avait tout un tas de serpents qui entouraient, en fait, qui entouraient ma tête. Comme un cercle, mais il ne me touchait pas. Oui. Donc, bah, j'avais une perruque parce que j'avais l'habitude de porter des perruques. Donc, c'était comme un cerceau, en fait, oui, autour, mais bon, ça ne me touchait pas. Donc, ce songe-là m'avait effrayé à l'époque, donc je m'en suis rappelé. Et la deuxième fois, c'était un moment où j'étais au travail, je m'étais assoupie et j'avais senti comme... Vraiment, c'était un serpent qui passait par-dessus moi. Donc, je ne sais pas, il partait, il ne voulait rien avec moi, mais il passait au-dessus de moi. Mmh. Donc, j'avais senti, ça m'a donné froid au corps et je m'étais, voilà, subitement réveillée. Donc, je me suis rappelée de ça. Et, bon, et d'un autre songe que j'avais fait aussi, bon, concernant ma maman qui est décédée, enfin, c'était des attaques et tout. Elle lançait des serpents sur mes prochaines progénitures, en fait, des enfants que je n'ai pas encore eus. Mmh. J'avais vu que j'avais une fille en plus. Donc, elle lançait les serpents vers eux. Et moi, j'ai dit, l'enfant était tellement petit, je disais, j'étais loin et je me disais, ah, qu'il ne le touche pas. L'enfant ne sachant pas, croyant que c'était un jouet, voulait toucher ça pour jouer avec. Donc, voilà. Voilà dans les mauvaises choses dans nos familles. Et là, tu étais là depuis la première séance. On parlait, lorsqu'on parle, on répète, c'est pour que ça fait revenir en mémoire des choses dont les gens ont vécu. Mais grâce soit rendue au Seigneur, jusqu'à ce que tu te rappelles maintenant. Et tu as prié, n'est-ce pas, ma soeur? Amen, amen. Tu as été sous l'influence de ceci. Vous m'écoutez? Il a été question de l'esprit de serpent et ce n'est pas terminé pour certaines personnes. On va y encore en revenir. Pour certaines personnes, on va encore en revenir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, merci. Amen. 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 Le Seigneur te bénisse aussi. J'ai tellement mal à la tête et maintenant c'est fini. Qui a mal à la tête là? C'est qui? Moi, la sœur Suzy. Courage, d'accord. Quand on a commencé la prière, j'avais tellement mal à la tête. Oui. C'est fini maintenant. Maintenant, ça va, n'est-ce pas? J'avais même envie de dormir. Le sommeil me tourmentait, oui. Mais c'est fini, oui. Au nom de Jésus. Où est la soeur Josène? Est-ce que la soeur Josène est connectée? Bon, si on continue comme ça, vous êtes 52, ici 53, on ne pourra pas s'en sortir ce soir-ci. Bonne nuit, les femmes. Bonne nuit, mon frère. Le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bonne nuit, mon frère. Bonne nuit. Pour se prosterner devant toi, pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne de contempler tes grandeurs chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Tu t'es révélé à moi en me guérissant.